EDF-SEI est une entité du groupe EDF qui a en charge donc l'ensemble de l'activité de production, distribution et commercialisation de l'énergie sur l'ensemble des départements d'outre-mer et la Corse. Les communes de l'intérieur en Guyane, c'est donc une douzaine de sites de production qui sont isolés, hein, où les moyens télécom et informatiques sont absents. C'est principalement de la production en mode diesel. On a des charges qui sont en constante augmentation, hein, on a des courbes de croissance relativement élevées. Donc on a cette difficulté à adapter l'outil de production à la demande en consommation de nos clients. Le service des communes de l'intérieur, c'est un service qui s'occupe de tout ce qui est hors littoral. Ça veut dire qu'il n'est pas relié au réseau EDF du littoral. Si on n'est pas capable d'afficher des données et des rapports incontestables et fiables, notre modèle économique pourrait être remis en cause. Un des principaux avantages de ce système ITRON, c'est que, un, il intègre la totalité des besoins qui vont du comptage à l'analyse au reporting, donc pour nous c'est très important, et au suivi du parc. Deuxièmement, c'est un système qui nous permet d'adapter le moyen de communication à la situation locale, et donc au travers des solutions développées avec ITRON et portées par ITRON, on a moyen de faire du GSM, du GPRS, du satellite, de l'intranet, hein, de l'IP. Et donc ce système étant ouvert, il nous permet vraiment de s'adapter à la situation. Ce sera plus fluide au niveau du boulot concernant la relève, bien sûr. La solution ITRON va faciliter le travail des agents dans les communes. Donc c'est un plus pour les agents qui sont sur place. L'expertise d'ITRON va énormément nous simplifier la vie, tout simplement parce que le système en lui-même sera autonome. Ce compteur nous permet de récolter les données qui sont transmises par satellite sur le Larivot, où les exploitants peuvent avoir les données au jour le jour. Le matin, on récupère les données, quoi. Donc sans être obligé de solliciter et de mobiliser du personnel pour faire des relevés. Le tableau de bord que vous voyez ici, en fait, permet de suivre les productions des communes de l'intérieur de Guyane et donc de présenter des indicateurs macroscopiques du bon fonctionnement de ces productions. Chaque jour, nous effectuons un suivi de la production. L'installation des compteurs ITRON a une particularité qui était de pouvoir avoir des compteurs dont la mise en œuvre ne nécessitait pas d'interrompre la production d'énergie. Le montage du compteur ITRON est très simple. Il est pré-câblé et donc j'ai juste fait une petite patine de fixation pour le maintenir sur le chemin de câble, tout simplement. On ne produit pas pour se faire plaisir, on produit parce qu'on a des clients à servir. Et donc, on contribue au travers de ces installations à ne pas dégrader la qualité, la continuité de fourniture perçue et vue par nos clients. Et c'est bien au travers de ce système, développé en partenariat avec ITRON, qu'on va pouvoir le faire.